Mais oui, voilà, j'ai trouvé. Chenille. L'amour est une chenille. Oh non, ça ne va pas du tout, ça. Mais pas du tout. L'amour est un papillon vermillon. Et moi, je suis la mouche qui se pose sur le vermillon de sa bouche. Oh, Mathilde, vous voilà, c'est extraordinaire. Je pensais à vous et brusquement, vous entrez dans mon bureau. Comme c'est magique. Oui, Mathilde, il y a quelque chose de magique entre nous. Non. Ne dites rien. Cet instant de bonheur dans la communication de nos âmes est si fragile. Ne le brisez pas, Mathilde. Ne le brisez pas. Ah, Mathilde, merci. J'ai entendu vos pensées. Oh, comme vos pensées sont belles, Mathilde. Mais vous ne dites rien. Ne trouvez-vous pas admirable ce que je viens de dire? Oh, vous avez raison. Parfois, le silence est la plus grande preuve d'amour. Une toute petite chose. Dites-moi seulement si vous m'aimez, vous aussi. Rien qu'un petit mot. Un petit mot en trois lettres, qui commencerait par un O, qui terminerait par un I, avec un I au milieu. Oh. Une larme. Mais vous pleurez? Mais pourquoi pleurez-vous, Mathilde? Juste au moment où je vous demande si vous m'aimez? Mais ne voyez-vous donc pas que je vous aime? Tenez, lisez ce poème. Regardez. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il est illisible maintenant. Mais Mathilde, pourquoi? Oh, ne me dites pas que... Oh non. Oh non. Ne me dites pas que vous m'aimez plus. Mais Mathilde. Mais vous n'êtes pas là? Mais où êtes-vous, Mathilde? Mais Mathilde! Mais Mathilde, vous avez disparu! Mathilde! Mathilde! Oh non! Oh non! Oh, c'est horrible! Mademoiselle Gauthier avalée par les pétales d'une rose! Oh non! Mais Gérard, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Pourquoi tu fais cette tête-là? Oh non! Non, pas Mademoiselle Gauthier! Pas Mademoiselle Gauthier, non! Non! Oh, Gérard, reviens à toi, t'es avec tes copains, Jérémy et Julien. Ah. Regarde, il n'y a pas de Mademoiselle Gauthier, elle n'est pas là. Oui, t'inquiète pas, t'es en train de faire un cauchemar, là, à mon avis. Réveille-toi, allez! Ah oui, c'est ça, oui. Un cauchemar. J'ai fait un cauchemar cette nuit, c'était affreux et si réel. J'étais avec Mademoiselle Gauthier. On se tenait par la main. On marchait dans un jardin plein d'énormes fleurs. Alors, j'allais lui cueillir une fleur. Je la lui offrais. C'était une rose. Une rose gigantesque. Elle prenait la fleur et elle me souriait. Et soudain la fleur s'ouvrait et les pétales se transformaient en mâchoires de requin. Et Mademoiselle Gauthier était avalée d'une seule bouchée. Oh non! Oh non! Elle disparaissait à jamais! Mademoiselle Gauthier! Ce n'était qu'un rêve! Ah! Oh oui! Un rêve, mais. C'était tellement réel! Je suis sûr que c'était un rêve prémonitoire. Mais voyons, Gérard, les rêves prémonitoires, ça n'existe pas. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Et la fois où j'ai rêvé qu'il y avait de la purée à la cantine? Le lendemain, hein? Le lendemain, qu'est-ce qu'il y avait? De la purée? Dans le lit, ça? Gérard, il y a tous les jours de la purée à la cantine. Et alors? C'est pas de ma faute, non? Et la fois où j'ai rêvé qu'on était un 6 janvier, et ben le lendemain, je me suis réveillé. On était un 6 janvier! C'est pas un rêve prémonitoire, ça? Mais c'est normal, Gérard. Le jour d'avant, c'était le 5 janvier.
Et puis, on n'a jamais vu des pétales de rose se transformer en mâchoire de requin. Réfléchis. Oui. Enfin, moi, j'en suis certain, hein, hein Julien? On n'a jamais vu ça. Ah, ah bah, vous avez peut-être raison. Mais c'était tellement réel. J'ai eu tellement peur. J'ai eu peur, non. C'est fini, Gérard. J'ai eu peur. C'est fini, maintenant. Allez, bois. Allez. Oh, mes chers petits. Bonjour, monsieur Rambier. Ah bah, comme on est content de vous voir. Oui, quelle bonne surprise, alors. Non, 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 j'ai bien peur que non. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Une mauvaise nouvelle. Quelque chose de terrible est arrivé. Mademoiselle Gauthier! Écoutez, avant tout, promettez-moi d'être fort. Non, mais dites-nous, monsieur Rambier, dites-nous, moi, je peux plus attendre. Voilà. Mademoiselle Gauthier a disparu. Voilà, Fabienne. Ça sera bientôt prêt. Oh, t'inquiète pas. Hey, c'est pour toi que je prépare ça. Hein. Bah oui, pour ton rhume. C'est un cocktail que me préparait ma grand-mère quand j'étais petite et que j'avais le rhume. Oh. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la disparition de Mademoiselle Gauthier? Pauvre monsieur Rambier, c'est vraiment affreux. Ça m'a fait mal de le voir comme ça. Trois gouttes d'anis. Tu sais, Fabienne, c'est horrible. Je suis vraiment un monstre. Une rondelle de citron. Mais si, un monstre. Quand Julien est venu m'annoncer que Mademoiselle Gauthier avait disparu, eh ben, la seule chose qui m'a fait de la peine, c'est de savoir que monsieur Rambier était malheureux. C'est pas de savoir que Mademoiselle Gauthier avait disparu. Et si c'était grave? Oh mon Dieu, oh, je me le pardonnerai jamais. Une pincée de poivre. Oh, je donnerais tout pour que Mademoiselle Gauthier revienne, pour que monsieur Rambier soit plus malheureux. Même si c'est moi qui dois souffrir. Eh ben dis donc, t'es bien enrhumé. Mais attends, Fabienne. Mais tu me cacherais pas de quelque chose, toi, non? Quoi? C'est à propos de Mademoiselle Gauthier? Tu sais où elle est? Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Oh, je t'en supplie, Fabienne. Oh, dis-moi, il faut que je sache. Dis-moi, au moins, s'il lui est arrivé quelque chose. Oh, c'est vite enrhumé. Oh. Tu veux le cocktail maintenant? Attends, faut que je rajoute 3 gouttes de fleur d'oranger. 1, 2, 3. Voilà. D'accord. Mais avant, il faut que tu me dises tout ce que tu sais sur Mademoiselle Gauthier. Bon, tiens. Attends, tu vas me dire tout ce que tu sais, ok? Fabienne, mais tu m'avais promis. Oh non. Mon Dieu, Fabienne, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu. Je me suis trompée. J'ai pas mis la fleur d'oranger. J'ai mis mes gouttes pour dormir. Oh là là, monsieur Rambier. Oh, c'est terrible. Elle s'est endormie juste au moment où elle allait me dire où était Mademoiselle Gauthier. Vous êtes sûr qu'elle sait quelque chose? Oui, monsieur Rambier, je suis sûre. Malheureusement, avec ma bêtise... Monsieur Rambier, il faut absolument essayer de sauver Mademoiselle Gauthier. Oh oui, et puis essayer de sauver Fabienne aussi. Oh, chut. Elle a parlé. Non, mais son cœur bat. Dieu soit loué. Oh, oui. Vous croyez que vous allez pouvoir faire quelque chose pour la réveiller, monsieur Rambier? Oh, je ne sais pas. Oh, mais c'est pas possible. Mais vous qui savez toujours tout, monsieur Rambier. Je sais bien, ma petite Sylvie, mais que voulez-vous faire contre un somnifère? La science a parfois ses limites. Il faut s'y résoudre.
Vous n'avez pas le droit, monsieur Rambier. Il faut repousser les limites de la science. C'est là, ton petit Gérard. Dis-moi où est ma... Enfin, mademoiselle Gauthier, s'il te plaît. Ah, on pourrait peut-être lui chatouiller les pieds. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Allons-y. Alors, ça marche? Oh, j'ai bien peur que non. Je vous en supplie, monsieur Rambier, faites quelque chose. Mais j'essaie, mais ça ne vient pas. Allez. Monsieur Rambier. Comme c'est beau, l'intelligence en action. Si, j'ai trouvé. Je savais, monsieur Rambier, je savais que vous trouveriez quelque chose. Merci d'avoir cru en moi. J'étais la dynamite et vous étiez l'allumette. On y était peut-être un peu pour quelque chose, non? Si vous n'aviez pas aidé là, monsieur Rambier, on n'aurait rien pu faire. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, monsieur Rambier? Eh bien, voilà. Je vais lire dans le cerveau de Fabienne. Mais vous savez lire dans les cerveaux, monsieur Rambier? Eh oui. Oh, ça, c'est vraiment génial! Oh, alors là, je trouve pas les mots. Oh, ne cherchez pas, ils n'existent pas. Bon, il faut que je me concentre. Je rêve! Elle rêve! Fabienne a dû être carpe dans une vie antérieure. Comme vous êtes fort, monsieur Rambier. Non, Fabienne. Pas vos vies antérieures. Parlez-nous de mademoiselle Gauthier. Incroyable! Elle rêve qu'elle parle. Mais ça, c'est fou, alors! Je savais pas qu'elle voulait être présidente de la République. Non, Fabienne. Pas vos rêves secrets. Mademoiselle Gauthier. Oh, un musclé. Oh, ça y est, j'ai compris. C'est Framboisier qui a enlevé mademoiselle Gauthier. Oh non, oui. Mais non, c'est la fête au village, le secret de Fabienne. Non, Fabienne, pas votre cœur brisé. Mademoiselle Gauthier. Des cahiers, des porte-plumes. Ben quoi? Ben c'est normal. On est dans un collège. Ah mais oui, vous avez raison. Pourquoi des porte-plumes? Pourquoi des cahiers? Pourquoi Fabienne a-t-elle inscrit dans son cerveau des images de travail? Travail, salle de classe. Oh mais oui, ça y est, j'ai trouvé. Merci, Fabienne. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé, monsieur Rambier? J'ai pu lire dans le cerveau de Fabienne que mademoiselle Gauthier se trouve dans la salle de classe. Oh, vous êtes un vrai génie, monsieur Rambier. Il ne faut pas exagérer, hein. Oh, vous êtes tellement intelligent que, à côté de vous, je me sens comme une plante verte. Je sais, ma petite Sylvie, je sais. Eh ben alors, on y va? Oui, allons-y. Allez. Ouais. Mathilde, où êtes-vous? Répondez-nous. Mademoiselle Gauthier, c'est moi, votre petit Gérard. Mademoiselle Gauthier, youhou! On est là! On est venu vous chercher! Hey, tu crois que tu vas la trouver là? Mais le corps n'est qu'une enveloppe illusoire, Julien! Ah bon? Mademoiselle Gauthier! Oh! Mais que faites-vous, petit Julien? Ben, je cherche mademoiselle Gauthier. C'est bien, parfait, continuez. Oh! Oh, monsieur Rambier, regardez! Sylvie! On dirait qu'elle a trouvé quelque chose! Mais... Sylvie, qu'est-ce que tu fais? T'as trouvé mademoiselle Gauthier? Sylvie, vous allez bien? Oh, merveilleusement bien. Oh mon Dieu. Elle est tombée amoureuse d'un tableau. Oh,
Il est tellement sympathique. Dès que je l'ai vu, je me suis sentie attirée par lui. Comme par un aimant. C'est vrai que ce tableau a l'air plutôt sympathique. Peut-être, mais ce n'est pas Mademoiselle Gauthier. Attendez, attendez, attendez. Ma petite Sylvie. Vous avez bien dit que vous trouviez ce tableau sympathique. Il est sympathique. Il n'y a pas d'autre mot. Un tableau sympathique. Mais oui, bien sûr. Ce tableau contient un message écrit à l'encre sympathique, c'est évident. À l'encre sympathique? Mais ça crève les yeux. Attendez, vous voulez dire un message de Mademoiselle Gauthier? C'est de la logique pure. Oh, lumière de toutes les lumières, je suis aveuglé par tant d'illuminations. Monsieur Rambier, je dois admettre que vous êtes encore plus fort que je ne le croyais. Je sais, mon petit Gérard. Oh, j'étais sûre que vous étiez aussi fort que ça, monsieur Rambier. Je sais, ma petite Sylvie. Je sais. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? Oui. Vite. Allons dans mon bureau. Dépêchez-nous. Allez. Oui. Vous voyez quelque chose, monsieur Rambier? Pas encore, ma petite Sylvie. Pas encore. L'encre sympathique, il faut la développer. Oh, monsieur Rambier, vous êtes merveilleux. Vous avez encore trouvé. Oui, mais hey, comment la développer? Mais la lumière, voyons. Mais quelle lumière, on est en plein jour. Mais la lumière de l'intelligence. Oh, monsieur Rambier, vous êtes éblouissant. Charlot, il n'y aura pas cours. Pardonnez-moi, c'était trop dur. Fabienne est au courant. Mathilde. Oh, mon Dieu! Mathilde! Pourquoi? Pourquoi? Gérard, sois fort. Oh non, non, non! Ne pleurez pas, monsieur Rambier. Ça me fait trop de mal. Tout ça, c'est de ma faute. C'est à cause de moi. Mais pourquoi? Mais parce que... Parce que quoi? Parce que Mademoiselle Gauthier m'a surpris pendant que je regardais par le trou de la serrure. Pendant qu'elle quoi? Pendant qu'elle se limait les ongles. Et tu crois que c'est pour ça qu'elle est partie? Oui. Et moi alors? Ne voyez-vous pas les marques indélébiles de ma culpabilité inscrites en lettres debout sur mon visage? Si. Je suis un monstre. Voilà ce que je suis. Mais qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est trop horrible, je peux pas vous le dire. Mais dis-le! Bon, et bien voilà, un jour j'ai fait une tache de croissance sur son beau tailleur bleu. Que les flammes de l'enfer me dévorent tout cru. Jérémy, si ça peut te consoler, c'est de ma faute aussi, tu sais. Les taches de croissance? Non, bien pire. Mais quoi? Des taches d'éponge sur le tableau noir. Ça l'énervait. Elle m'avait dit de les essuyer. J'ai jamais su. Sylvie, non. Laisse-moi partager un peu de ta souffrance. Oh, tu crois que c'est possible, Julia? Oui. Si tu savais ce que j'ai fait. Oh, dis-moi. Bah hier, en classe, quand je suis rentrée, j'ai oublié de lui dire bonjour. Et je pensais à autre chose. Je suis impardonnable. Tu pensais à quoi, Julien? À toi, Sylvie. C'est vraiment cruel. Je sais, Sylvie. Je sais. Merci. Merci, mes chers petits. Votre soutien me va droit au cœur. Je vous suis reconnaissant de partager ma douleur, mais il faut bien dire les choses comme elles sont. Oh, quelle chose, monsieur Rambier? Eh bien, si Mademoiselle Gauthier est partie, c'est à cause de moi. Mais comment pouvez-vous dire ça, monsieur Rambier? Le morpion. Nos parties de morpion. Je ne la laissais jamais gagner. Cher petit, le sujet du cours d'aujourd'hui portera, comme vous vous en doutez, sur l'oubli. D'ailleurs, celui de demain aussi, ainsi que celui d'après-demain, et puis tous les cours
jusqu'à la fin de l'année. Puis, ceux de l'année prochaine. Bon, le matelas, on le met où? Attends, je vous demande pardon? Bah oui, le matelas, on le met où? Enfin, écoutez, messieurs, je vous prierai de respecter notre douleur. Non, non, je respecte. Mais elle met le matelas, on le met où? Ceci est une salle de classe, messieurs. Ah oui, on est bien au collège des cœurs brisés. Absolument. Bon, écoutez, moi je fais ce qu'on me dit de faire. On me dit de livrer un matelas au collège des cœurs brisés, on livre un matelas au collège des cœurs brisés. Écoutez, monsieur, personne ici n'a commandé de matelas. Si, moi. Mademoiselle Gauthier! Mathilde! Quel accueil, c'est merveilleux. Merci, messieurs, vous pouvez le poser là. Oh, mademoiselle Gauthier, vous êtes revenue. Dieu soit loué. Mon petit Gérard, je n'étais pas bien loin. Retournez vous asseoir. Oh, Mathilde, Mathilde, comme c'est bon de vous revoir, de pouvoir prononcer à nouveau votre prénom. Oh, François. Mathilde. François. Mathilde. Mais enfin, vous pensiez que j'étais partie? Mais pourquoi? Mathilde, votre message. Quoi, mon message? Mais souvenez-vous, il n'y aura pas cours. Pardonnez-moi, c'était trop dur. Eh bien oui, je vous demandais de m'excuser pour mon absence. Je ne pouvais pas faire ma leçon. Vous comprenez? Il fallait absolument que j'aille m'acheter un matelas. Mon lit était beaucoup trop dur. C'est votre lit qui était trop dur? Bien sûr. D'ailleurs, Fabienne était au courant. Je l'avais écrit sur mon message. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas demandé? Tout est de ma faute, mademoiselle Gauthier. De votre faute, Sylvie? Non, non, ce n'est pas grave. Je vous expliquerai. Mais j'y pense. Pourquoi avoir écrit votre message avec de l'encre sympathique? Je ne sais pas. C'est vrai, je me souviens. Il y avait 3 bouteilles d'encre. Et j'ai trouvé celle que j'ai utilisée très sympathique. Ah, bah oui, c'est évident maintenant, puisque c'était de l'encre sympathique. Mais pourquoi n'ai-je pas pensé à ça avant, moi? Oh, François. Oh, Mathilde. François. Mathilde. François. Mathilde. François. Mathilde. François. Fabienne. Quoi, Fabienne?